viendras chercher. Hein? Tu sors le matin comme ça. C'est comme ça. Comment ça va? Vous êtes perdu? Ouais, nous sommes là. C'est le temps. Ça va, merci. Alhamdulillah. Ça va chez vous? Ça va, alhamdulillah. Oui, merci. Oui. Tu sais que quand la saison privée, j'ai vu. Commence comme ça. Personne n'est tranquille. Vraiment, ça, je sais. Eh, quel voilà. Bon, grand frère. Oui. Je comprends maintenant. Ce soir là, on passera chez vous. Ah, c'est grave? Non, c'est pas grave. Ah, ça c'est divisé. Vous me trouverez. Ok. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Il est tellement. Personne ici. Ouais. Pape. Fatigué. Quand la saison commence, c'est le fatigue. Cousin, bonjour. Angata, ça va? Ça va. Cousin, je vais aller chez mon père. Quoi? Je vais aller voir mon père. Tu sais, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Hé, cousin, toi aussi. Voilà la route. Il faut partir. C'est comme ça que... Voilà la route. Il faut partir. Wallah, il faut partir. Et puis, je t'ai remarqué, toi, tu ne réfléchis pas. Voilà, cousin, toi, tu ne réfléchis jamais. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Où est la dépense? Tu ne donnes rien. Et puis, je t'ai remarqué, cousin. Depuis que tu as commencé à fréquenter la femme là, tu m'as abandonné. Voilà. Tu m'as abandonné. Je connais que tu vas parler voilà. Ça. Je connais que tu vas parler non, ça. Non, mais c'est ça. Je connais que tu vas parler ça. Amène ça. Wallah billahi. Tu dépasses là-bas. Tu dépasses là-bas. Soit je suis sur toi ou tu es sur moi. Et c'est ça. Awa, c'est ça. Awa. C'est ça. On verra. On verra. Moi, je vais partir. Bien fille. C'est comme ça. Si tu veux épouser une autre femme, tu abandonnes ta première femme. C'est toi qui parles. Les hommes sont comme ça. C'est toi qui parles. Ingrat que tu es. Oui, j'ai bien fait. Ce que tu veux aujourd'hui, c'est ça que je veux. Ce que tu veux, ça va. Oh, billahi. Il faut répéter. Ça que je veux. Il faut répéter. Non, moi. Répéter quoi? Non, il fallait répéter. Répéter quoi? Il fallait répéter. Moi, je vais partir. En tout cas, je ne vais pas rester ici. Je n'ai rien mangé. Toi, tu es là pour foufafou. Regarde-moi ça. Tu es là pour rien. Quoi? Foufafou. 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 Ouais, je suis foufafou. Madame, je suis foufafou. Voilà. Il faut partir. Je suis foufafou. Je suis foufafou. Il faut partir. Allez, je vais. Voilà. Il faut partir. Regarde-moi ça. Je suis foufafou. Mais toi. Bonjour, papa. Hé, hé. Moi, Thomas. Oui. Viens là. Viens. Mais comment tu arrives comme ça? Où tu vas? Je vais à l'école. Quoi? J'ai dit je vais à l'école. À l'école? Oui. Toi, ton sac là, à la maison. Toi et moi, on va à la même école. Papa, où ça? Où ton grand-père m'a mis? Le champ. Au champ. Papa, il est bientôt la composition. Laisse-moi aller à l'école aujourd'hui. Tu dépasses là-bas, je te gifle. Je vais à la maison. Quoi? À la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi encore? Que mon fils ne va pas à l'école. Tu dois aller à maman d'assurer. Mon fils ne va partir à l'école. Cette fois-ci, tu vas me tuer. Non, à l'école. À l'école. Mon fils va partir à l'école. Où? Et à l'école. Wallah, Aminata, si tu ne fais pas attention. Je sais que tu ne m'aimes pas. Yeah.
Salut. Ouais. Dis donc, bonsoir. Bien, mon frère. Tu vas bien? Bien. Eh, mais dis donc, tu souffres comme ça. Dis donc, je viens jusque Kalara, derrière le montagne là. Ah, dis donc, vraiment, tu es homme comme ça. Ouais. Tu es courageux. Ouais. Bon, dis donc. Oui. Aujourd'hui, on s'est vu avec le, notre frère là, le chef. Oui. Voilà, on lui a dit qu'on passerait là-bas le soir. Oui. Dans les bandes de 17h. Mais rapidement, je suis fatigué. Ah, oui. Tu comprends. On a dit qu'on passerait là-bas le soir. Ah, mais c'est ce qu'on a dit. Ah, mais je veux te rappeler encore. C'est vers quelle heure? C'est pas 17h. 17h. Donc, il n'y a pas de problème. 17h, ma 30, je suis là-bas. D'accord. Hein? Il ne faut pas manquer le rendez-vous. Ah, dis donc, non, mais, je n'aime pas ça. Yeah. Oh. D'accord. Mm. Vous avez bien des choses à ma femme, hein? Ok, ok. Ok, merci beaucoup. Bien. Ah, ce que je fais, c'est ça qu'il fait ici. Ça va? Vous allez bien? Asseyez-vous, prenez place. Attendez. Ok, c'est pas grave. Ça va? Ça va. Ça va. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Tu as l'air frustré là. Non, non, c'est rien. Je travaille à la maison là. J'avais un petit problème à la maison. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Bien, merci. Ça va? Ça va, frère. Eh, voilà, bon. Ça va. Tu sais qu'on avait croisé. Oui. Voilà, donc. Grand frère. Oui. Bon, ma c'est ça la langue mode. C'est là que nous avons. Quand on s'est croisé, on nous a dit le rendez-vous. Oui, oui. Si vous nous voyez ici, oui. C'est pas pour autre chose. Oui. Comme notre habitude. Pour renforcer le lien qui est entre nos jeunes ici et la cohésion. Parce que nous sommes habitués chaque année de travailler ensemble. Oui. Vous savez qu'une seule personne ne peut pas faire quelque chose. Non, ça c'est vrai. Sauf l'union. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a choisi, comme pour cette année aussi, on veut que de reprendre la même chose. De travailler ensemble aussi. Voilà. Vous voyez, on a même proposé un jour, le vendredi qui vient comme ça, là, voilà. D'aller chez quelqu'un. Mais comme on ne peut pas dire ça, sans, parce que vous êtes là étant notre chef, c'est pour ça que nous sommes là pour vous dire aussi. Sujet. Voilà. Vraiment, 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 moi là je vous remercie. Je connais ce que vous allez faire. Bon, attendez, et celui-là? Ah, grand frère, évoluant. Lui, il est toujours comme ça. Lui, chaque fois, lui, il est en retard. C'est comme ça, lui, ça. Écoutez, comme ça. Écoutez, quand vous venez ici, il ne faut pas lui laisser derrière. Ah. Vous savez, c'est lui est trop paresseux. Quand vous le laissez seulement, il va fuir. Je n'ai bel et bien dit ça. On s'est croisé là-bas, je l'ai dit à le rendez-vous ici, il me dit d'accord. Il ne veut pas nous respecter. Voilà, vous voyez? Seul. Ouais. Ça va? Ouais. C'est lui. Ouais. Mais pourquoi chaque fois tu es en retard comme ça? Lui, chaque fois, il est comme ça. Il est toujours en retard. Nous, on en a marre de ça. Il n'a qu'à partir. C'est pas obligatoire aussi. Hein. Si on... Merci de partir. Tu peux quitter. C'est pour toi. Non, c'est vrai que je n'ai qu'à partir. Je peux traverser. Mais moi, je peux traverser. Non, chaque fois. Je vais me ça. C'est moi qui t'appelle. Non, chaque jour, quand il y a un regroupement sur le monde, ça va. Les gens sont contre moi ici maintenant. Ça va. C'est ce que je vois. Il faut voilà. Sans vous, moi, je peux travailler. Ça va. Sans vous, je peux travailler. Voilà. Voilà. Tu sais. Tu n'aimes pas ça. Le chef est là. Prenez. Mais tu vois. Écoute-moi. Grand frère, c'est à cause de toi que je suis là. Si c'est pas ça, je me retouche. Mais attention, baisse, attention. C'est là l'engage que toi. Voilà, tu réponds non. D'accord, grand frère. Je m'excuse. Non, voilà. Je m'excuse, voilà. C'est fini. Voilà. Ah, c'est fini. Si tu connais pas un homme, tu le connais pas. Essaye de blague avec moi. Ah, c'est nous, ça va. Mais attendez, voilà ce que vous allez faire. Ah non, donc. On s'est réunis pour travailler. Ah, voilà. On s'est pas réunis pour faire le bagarre. Voilà. Hein? Il si c'est le bagage, vraiment, on serait pas d'accord. Si il y a ça derrière, frère, n'a qu'à me trouver chez moi. C'est bien pour toi que je vais me prendre des choses. Tu veux me faire énerver? Non. Frère. Tu veux me faire énerver? Non, laisse le problème là. Attendez. Il ne peut pas nous effrayer ici. Je t'écoute, frère. C'est lui. Oui. Tu sais, il y a le respect entre toi et moi. Dépassez même, grand frère. Maintenant, quand je parle, il faut écouter. D'accord, je t'écoute. Moi là, faut pas me faire énerver. Non, grand frère, non, je m'excuse, c'est fini comme ça. Mais c'est qu'il fait comme ça, c'est pas bon. Pourquoi vous n'êtes pas toujours d'accord? Ouais, c'est pas bon. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Chaque fois, histoire. Chaque fois qu'on a. Tout le monde qui sort dans les. Il y a des discussions entre toi et. Il n'y a pas de problème, monsieur. Pourquoi? Grand frère, ce qu'il fait, c'est pas bon. Il veut pas. Laisse-moi faire. D'accord, je vous regarde.
C'est toi qui commandes ou bien c'est moi qui commande? Non, je vous regarde, je m'excuse. Non, on ne serait pas d'accord sur ça. On ne serait jamais d'accord sur ça. Chaque fois qu'il y a un petit regroupement, toi, il y a la discussion entre toi et Sylvie. Okay, c'est pas bon, excusez-nous. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ce que vous avez fait, je suis vraiment d'accord. Et je vous dis bravo. Maintenant, vous n'avez pas choisi chez qui vous avez commencé. Pour le moment. De toujours ça, le vendredi que vous allez commencer. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Quand vous allez choisir quelqu'un à qui vous allez commencer, maintenant vous allez m'avertir. Pas de problème. Hein? Pas de problème. Je suis d'accord. C'est lourd. Oui. Tu as bien compris. Hein? J'ai compris. Tu sais que je ne veux pas de soir, moi. Ouais. Voilà ce que vous allez faire. Hein? Il y a mon fils ici. Je vous donne. Il est parmi vous maintenant. Attendez. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, frère. Petit, trop par ici. Non, parce que le chef, c'est pas parce que. On va essayer. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Hein? Assois-toi là-bas. Assois-toi ici. Assois-toi ici. Par ici que tu es. Le voilà. Hein? Oui. Il est parmi vous maintenant. D'accord. En cas de petit problème, avertissez-moi. Hein? Je le mettrai à terre. Fais chier. École. Maintenant, voilà l'école. Grand frère, donc vous ne voyez pas ça, on dirait une femme. Laisse-les. Il dit école. Voilà l'école maintenant. Moi, c'est l'école là que mon père m'a donné. C'est ça. Bon, okay. Je vous remercie. Moi là. Merci. Les deux, on est ensemble. Hein? Oh, on est ensemble, voilà. Bon. C'est le. Okay. Je ne vais pas dire ça. Non, on va pas dire. Merci beaucoup. Maintenant, allez, Kelly. Allez, va. Eh, hey, le vendredi, on t'attend là-bas, hein. Ça, je te dis. C'est vous tous maintenant. École. Ça, c'est l'école maintenant. Mais chier. Lui, il est tellement paresseux. Il est paresseux. Il faut voir seulement. Moi, je dis, vendredi 7h. Là, le là ne veut pas de travail. Ah, il ne veut pas de travail, pas de travail. Quand on le prie seulement, on verra. Ouais, comme ça. C'est un petit peu. Et puis on là-bas, après, dis-moi. Dis-là, moi là. Viens. Dis-donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Dis-donc, dépassez-vous. Attendez-moi. On ne peut même pas presser, on verra ça. Moi là. Dis-donc, comme ce qu'on vient de dire tout de suite là, cette année, j'aimerais que vous allez commencer le travail sur mon sang. Pour l'amour de Dieu. Mais je te prie pour ça. Pardon, mon ami. Non, pardon. Essaye d'expliquer ça à les autres. Pour ça, j'ai compris. Oui. Allons-y ensemble. Je vais essayer d'expliquer ça. Mais surtout, il faut que tu insistes là-dessus. Hein. Non, sinon, non, tu vas. Non. Vous savez quoi là, vous partez pour vous entretenir. C'est normal. Écoutez, c'est des escrocs. Voilà, accordez-moi, j'ai juste quelque chose à vous annoncer. Notre ami m'a appelé là-bas. Mm-hmm. Vraiment, il a demandé toutes ses excuses à nous. Mm-hmm. Et bon, il faut qu'on a commencé le travail chez lui cette fois-ci. Quoi? De commencer où? De commencer le travail chez lui cette fois-ci. C'est celui là-bas. Écoutez. Après le chef, c'est qui? C'est toi. Moi, si j'ai dit quelque chose, vous ne pouvez pas obéir ça. Mais chef, c'est pas comme ça. Non. Si c'est comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoutez, ça va. Okay, y a pas de problème. Qu'est-ce que toi tu as décidé? Moi j'ai décidé pour qu'on puisse commencer le travail sur lui. Oh, okay. Oui, ça va. Le vendredi cas. Le vendredi c'est chez lui. Pas de problème. Y a pas de problème. Bon, allons-y. Moi je vous laisse ici. D'accord. D'accord. Je reprendrai. Ouais, je passerai le soir. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Allons. C'est que vous pouvez comprendre, c'est pas moi. Je vais te répondre, Inch'Allah. Moi, Souma Inch'Allah. À Fafora, je vais te répondre. Allah Akbar.
Magoya. Magoya. Ah, toi. Ambara lo feu. Ni ka fani mungu. Ah, pente fani se. C'est mon mari qui a payé. Il faut dire notre mari. Hein, toi aussi. Il faut dire notre mari. Et puis ce que j'ai remarqué sur toi, depuis que tu as gagné le vieux là, on ne te voit plus. Pourquoi? Hein? Tu n'as pas un peu de gombo avec toi, tu me le passes? Eh, Rokia, c'est le mois de carême de... Hein? Dis donc toi aussi. Ou bien tu ne gênes pas? Notre vieux qui est avec nous là, hein? Il ne gêne pas, il est vieux maintenant, il est aveugle encore, toi ah, aussi. Ah, ça c'est vrai. C'est pour cela que je suis obligé de préparer le matin, avant de sortir. Mais il n'y a pas de bongo à moi ici. Vraiment. Rokia. Ni ala iwea na amba wenya la kaleba kwa me yasa ako ni demso na kwa masilani ah makoya eh makoya se va le gombo o ben ça c'est quoi e mana solo wandi ni sa e toi wa eh eh wallahi wadi au revoir me dis pas au revoir. Il faut travailler. Il faut travailler. Tu fais pas attention, vraiment, je vais te taper avec toi. Là, je vais te taper avec toi. Regarde-moi ça. Il faut parler, parler, parler jusqu'à fatiguer. Papa, viens voir. Viens voir. Il y a des herbes. Il faut travailler. Laisse-le. Ça, c'est la même pas. Travaille. Il travaille pas comme ça, papa. Tiens-le. Ah, faut faire doucement. Voilà. Non, c'est enlevé. Faut travailler. Rokia. Non. Ah, mais dis-donc, toi aussi. Sauf fois, il faut que je t'appelle deux fois. Alors, je travaille. Le repas de mon grand frère est fini. Oui, c'est pas terminé. C'est fini. Bon, on voit ça que je l'amène. Ah, tu sais, elle a fait à l'aile là. Tu n'as pas été au champ. Mais ah, ne me demande pas ça. Je sais que quand je reste là-bas, mon frère va mourir aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis couru pour venir prendre le repas de mon frère. Tu pouvais rester là-bas, moi je peux raccompagner le riz. Tu me le ramènes ou pas? Je parle que tu parles aussi. C'est ce que je n'aime pas. Tout est prêt. C'est un peu chaud. La ilaha illallah Muhammad. C'est quoi? Ah, c'est ça? C'est pourquoi je suis là. Regarde ça. Le repas de mon grand frère. C'est trop peu. Attends. Non, ça c'est la mangue. C'est la mangue, toi aussi. Attends. C'est pour lui seul, non? C'est lui seul qui doit manger. Il doit manger ça toi aussi. Même si c'est lui seul. Mais normalement, le riz est trop petit pour ça. D'accord, prochainement je vais faire beaucoup. Mais... Répète ça maintenant, c'est pas bon. Hein? Oh, pardon. C'est pas bon. Hein? D'accord, pardon. Ah. Bon, après, et puis rapidement là, que tu prépares tout, tu me trouves ça. C'est compliqué. Oui, ça va mon frère. Oui, ça va. Ouais. Tu n'as pas parti au champ. Frère, je suis dans les armées. Ah. Tu sais que vraiment ma femme, ça dit, je viens de bagarrer avec tout suite, lui avec tout suite là. Pourquoi? Je l'ai dit. Allez là, c'est le mois de carême. Mais il n'a pas préparé rapidement comme toi, tu ne gênes pas pour t'envoyer. J'ai tout parlé fatigué. Ah. Mais vraiment, s'il vient ici le soir. Essayez de parler avec lui. Non, sinon, il n'y a pas de problème, non, ça va. Eh frère, attendez. Ça va, ça va. S'il plaque avec toi, eh, tu vas rester pour votre repas.
Eh, tu as amené le riz. Oh, oh, ah, Dieu merci. C'est bon. Voilà la loi à côté de toi. Ici. Ah, voilà. Bon, je vais au sein. Frère. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi. Okay. Ouais. Hey. Mets-moi de l'eau. Un peu de l'eau là. Voilà. 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 Tu le mets ici. Tu, voilà. Enfin. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Ok, merci. Ok. Ah, à ce soir, hein? Ah, ok, merci, à ce soir. Et je vais essayer. Oh, j'ai dû rester encore. Qui est là? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On dirait du manger avec le diable. Mais c'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est ma belle-sœur qui n'a pas mis beaucoup de riz pour moi. Au nom de Dieu, si son mari vient ce soir-là, si c'est lui est là aujourd'hui le soir, je vais lui dire tout, wallahi. Sa femme est un message, hein? Regarde. Là, il a eu la mandat. C'est elle-même qui viendra prendre les choses là ici. J'ai même pas mangé. Donc, je suis en retard comme ça. Je sais que c'est moi. Mais où c'est là? Hein? Ah là! Je n'ai même pas besoin de prendre de l'eau. Attends, tu ne vois pas le sujet. Écoute-moi. Il faut faire doucement. Arrête. Attends. Ça veut dire quoi là? Tu ne vois pas le soleil? Tu ne vois pas le soleil? Non. Il faut gérer toi aussi. Il faut gérer. Wallah, toi, tu me fais revenir. Il faut gérer. Depuis que le mois de carême a commencé, toi, tu n'as pas pu gêner. Est-ce que ça, c'est bon, ça? Il faut gêner, toi aussi. Je ne gêne pas. Je ne gêne pas. Depuis que le mois de carême a commencé, toi, tu n'as pas pu gêner. Depuis quand? Depuis quand, tu ne sais pas. Si tu ne fais pas attention, je vais dire ça à ton grand frère. Il faut le dire. Je vais le dire. Il faut gêner, toi aussi. Tu n'as même pas prié. Moi qui suis ta femme, moi je me suis levé, j'ai prié. Toi tu n'as même pas prié. Dépose-moi mes objets ici. Attends, je ne te parle pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Allah, tu n'as même pas pris tes habits. Quitte devant moi. Quitte devant moi. C'est ça que je n'aime pas. C'est le seul pareil. Quitte devant moi. Tu pries quelle? Allah Akbar. Hey, assois-toi, pardon.
tu n'as pas pris tes... Qu'est-ce que tu pries? C'est 8h ou bien 10h? C'est 10h, non? Hein? Enlève tes pieds, là. Hey. Alors là, ça c'est entre toi et Dieu maintenant. Non, c'est non, pas ça, moi. C'est pas entre toi ça c'est entre toi et Dieu. Parce que ce que tu pries là, tu vois le soleil. Je dis maintenant, ça, tu ça, vois ça, le soleil. Ça c'est entre toi, toi et Dieu maintenant. Ne plie pas, tu parce que si pas. Je veux prier, maintenant Dieu nous voit. D'accord. Dieu est en train de nous regarder. Tu ne pries pas, tu fais semblant seulement de prier. Dieu ne gêne pas, tu fais semblant de gêner, tu fais semblant de prier. Tu ne pries pas. Il est 10h, qu'est-ce que tu pries? Hein? Qu'est-ce que tu pries? C'est pas l'aube, alors? Alors, je te laisse avec Dieu aussi. Non, non, non. Moi, je te Dieu jure, voit, je te laisse avec Dieu. Dieu nous voit ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est anormal. Toi qui es ta femme, moi je me lève, je prends mes ablutions, je prie. Toi, tu es là à coucher. Et puis tu te lèves à dire, tu me dis, ferme la porte, ferme la porte. Et puis tais-toi maintenant, quand je parle, tu te tais. Quand je te tais. Tu te prends pour qui? D'accord, d'accord. Je prie maintenant. Maintenant, je prie. Si tu es une femme, dérange-moi maintenant. Eh là. Non, je ne dis pas de quoi. Il ne faut pas prier. Non, je ne dis pas de quoi. Laisse-moi tranquille. Ah, faut me frapper, mais je ne dis pas de quoi. Je ne suis pas d'accord. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas d'accord. Je te dis de me laisser. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Laisse-moi prier. Pour me frapper. Laisse-moi prier. Ah, Dieu va me demander. Allah. Ah, ah. Je ne suis pas d'accord. Eh. Rodia, je te le jure, si tu ne me laisses pas prier, je vais dire ça à ta soeur. Il faut dire à ma soeur, moi je sais que j'ai raison. Bon, d'accord. J'ai raison. D'accord. Attendez, je vais te donner ici tout de suite. Il fait semblant de prier, il ne prie pas, il ne prie pas. Je rentre aujourd'hui devant mes amis. Chez moi. Ah bon? Maman, tu ne vois pas que j'ai maigri. C'est vrai, ma fille, tu as maigri. Maman, je ne mange pas. Eh? Ça fait 4 jours, mon mari ne donne rien. Alors là, c'est sérieux. Maman, il ne donne pas la dépense. Pourquoi, ma fille? Ah, maman, c'est pas tout. Et puis, il veut sortir Fatoma à l'école. Ah non, ça c'est pas vrai. Quand je me pense à ça, maman, ça c'est mes travaux. Je ne peux pas accepter que mon fils reste. Aminata. Pas pleurer à cause de maman. Ça. Et puis il y a le pire encore. Quoi encore? Il veut épouser une autre femme, maman. Regarde-moi ça. Aminata, tu sais, quand tu pleures à cause de ça, Aminata, regarde-moi. Faut pas pleurer à cause de ça. Un homme doit épouser 4 femmes. Maman, toi aussi. Non, moi, ça me regarde même pas. Ça n'engage que mon beau. Ça, c'est pas ton problème. Suis seulement ton foyer. C'est ça qui m'intéresse, moi. Tu as compris? Maman, s'il veut épouser une autre femme, il doit me donner la dépense. Ça. Mais il ne me donne rien. Maintenant, écoute-moi, moi je vais aller le demander. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et puis, je ne veux pas que mon fils reste sans étudier. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais je veux que mon fils étudie quand même. Maman, regarde ça. Aminata, faut pas pleurer pour ça. Je vais aller voir ton mari tout de suite. Maman, ça me fait parce plaisir. Écoute-moi, parce que toi, tu n'as pas eu la chance d'étudier. Idem que ton mari, Mfatoma, va étudier. Ça, c'est clair et net. Elle va étudier. Mais laisse-moi faire. Le monsieur là ne m'aime plus maintenant, maman. Il ne m'aime pas. Il a exagéré. Lève-toi même, on va aller. On va aller. Je ne t'aime même pas ton papa. Maman, si on va aller, il faut bien lui parler. Laisse avec moi. Il ne faut rien suivre. Il n'y a pas de problème.
Quand je dis c'est moi, c'est moi. C'est moi qui te veux. Hein? Ce qui se passe à la maison ou bien ce que les gens disent, n'écoute personne. Je n'écoute rien. Hein? Non, non, non. Je n'écoute personne. C'est entre toi et moi. Voilà. Moi, il n'y a rien à te dire. Hein? Maman, il faut qu'elle me fasse vraiment étudier. Va étudier, ça c'est forcé. Parce que où on est maintenant? Maman! Maman, regarde! Maman, tu as vu? Fini. Assois-toi. Attends, je te verrai dessus. On est voir. Regarde. Aminata. Maman, allons bas, allons à la maison. Laisse la femme là tranquille. Allons à la maison. Aminata. Maman. Maman. Bon. Oui. Je suis venu chez vous comme ça. Ma belle, ça va? Ça va, allez bien? Très bien. Ah. Elle va. A pleuré jusqu'à maigrir. Bon, on va rentrer à la maison. On va à la maison, on va. Non. Dit, tout ce qu'elle te dit, c'est faux. Ah, attendez, je vais faire sortir le bon. Même les gens veulent voir ma fille maintenant. Comment elle est? Ah. Ouais, ouais, Aminata. Vous allez bien? Ça va, ça va, ça va, ma belle, ça va. Bon, c'est Aminata qui est partie chez nous en pleurant. Mm-hmm. Pour trois facteurs. Mais moi, c'est les deux là qui m'intéressent beaucoup. Soit disant que vous avez fait sortir Mfatoma à l'école. Ah, ah. Pour aller au champ. Mfatoma? Oui. Hey. Ah. Ça fait trois jours que tu ne la donnes pas à la dépense. Dépense hein? Vraiment. Regarde. Attendez, belle. Dépense. Hein? Oui. Continue encore. Regarde comment elle est. Elle a même maigri. Vraiment beau. Vous savez, dans la vie, là, moi, ce que je veux maintenant, pardon à cause de Dieu, laissez-moi faire comme ça, n'a qu'à étudier. Pardon. Beau. Pardon, beau. Oui. Beau, vous savez, beau. Regardez-moi. Non, je vous écoute, je vous écoute. Vous savez, dans la vie, là, si tu n'as pas un enfant qui a étudié, ou un enfant militaire parmi ta famille, c'est la souffrance qui continue. Vous savez. J'écoute. Maintenant, ce que moi je veux, l'amour, laissez le petit là, n'a pas l'air. Tu as vu, sa maman n'a pas eu la chance d'étudier. Idem que vous. Eh, bon, nous, on va rester comme ça. Toujours au sol. Hein? Ça, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas toi qui as la parole. C'est pas Aminata. Il faut la dire. Je la dis, vous êtes. Aminata. Maintenant, pourquoi tu es parti me chercher? Pourquoi tu es parti me chercher? Il faut la dire, vous êtes. Je vais aider pour toi. Voilà. Maman, il faut bien voir. Moi, je vis tout. Maintenant, moi, je suis là à sensibiliser ton mari parce que c'est pas vous. Il accepte. Mais il va accepter avec moi. Maman, il me donne pas la dépense. Oh. Il veut pas que maman. Mon fils étudie. Maman. Non, je n'accepterai pas ça. Je veux que mon fils aille. Je veux que mon fils étudie. Aminata. C'est ça que mon fils veut. Mais il faut te calmer. Non, non, non. Non, non, non. Mon fils va aller à l'école. Il va aller. Mon fils va aller à l'école. Tu as vu? Je vais aller à l'école. Ma belle, maintenant, il ne va pas. Je pouvais laisser à cause de vous. Maintenant, comme il s'impose, il ne va pas. Je jure, il ne va pas. Respectez-moi. Je jure, il ne va pas. Respectez-moi. Parce qu'il s'impose. Non. C'est moi qui commande ou bien c'est elle qui commande. C'est moi qui commande ou bien c'est elle qui commande. Faut pas vous comparer avec une femme. Pardon. C'est une femme ça. Maman, je préfère quitter. Tu vas pas quitter ici. Tu vas pas quitter. Maman, je ne reste pas. On va arranger. Tu vas pas quitter. Moi, je n'ai jamais divorcé. On ne va pas divorcer aussi. Si c'est toi qui commandes, si c'est moi qui commande, on verra. Mon fils va étudier. C'est le respect de ta maman. Alors, mon fils va étudier. Mon fils va étudier. Je ne vais pas rester ça. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais mon fils va étudier. Maman, ce n'est pas à cause de ça. Je ne suis pas allé à l'école, mais tu vis. Je ne suis pas allé à l'école, mais je vis. Maman, c'est à cause de ça. Toi aussi, tu as tout vu. Aminata. Maman, tu as tout vu. Maman, tu as tout vu. Écoute-moi.
Laissez le problème des femmes. Non, 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 laissez le problème des femmes. Laissez le problème des femmes. On va parler le problème de Fatoma. Laissez le problème des femmes. Laissez le problème des femmes. Respecte-moi un peu. Laissez le problème des femmes. Un homme doit épouser 4 femmes. Rokia. Rokia. Nana. Viens. Les gens cela doivent venir ici aujourd'hui. Les amis? Ouais, les amis. Quand tu, si on te demande, parce que je te connais, si on te demande tout de suite là, tu diras nganama nganama. En ce moment, il y aura mal entre toi et moi. Je suis malade. On est d'accord? Tu es malade? Quand on te demande, essaye de parler quelque chose. Tu le sauras ce que je vais faire. Tu as quelle maladie d'abord? En tout cas, je suis malade. Moi, je ne sais pas quel mari que j'ai gagné. Toi, à tout moment, tu es malade. Quand le problème des champs vient, tu es malade. Et tu, écoute-moi. Ce n'est pas avec ça que je travaille. Si. Hein? Si. Si je dis maintenant que ça me fait mal, c'est pas fini. Ça, là. Rokia. Rokia. Rien, il n'y a rien ici. Mais je te garantis, si tes amis viennent, je vais leur dire que tu écoutes ça à la maison. Ah ouais, si tu es une femme, essaie de faire ça. Si tu es une femme, essaie de faire ça. Tu vas me connaître. Moi, je ne dis rien. Ah, tu vas me connaître qui je suis. Attends seulement que tes amis viennent. D'accord. Moi, je sais ce que je fais. Fais ça maintenant. Tu le sauras que je suis. Va te coucher, oh. Va te coucher. Aidez. Tu me connais mal. Mais tu vas me connaître aujourd'hui. Inch'Allah. Anna. Anna, qu'est-ce que tu cherches ici? Hein? Tu sais que je n'en passe à rien. D'accord. Ça va très bien. Les grands célibataires. Bonjour madame. Bonjour. Ma fille, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, c'est bien. Dame, ça va? Ça va très bien. Ah, ça va très bien là-bas. On a trop fait. Maintenant, on t'en fait la fête. Ah, ça fait très bien. Ah, je sais que mon ami se lui va bien. Moi, je suis une femme de régal. Ah oui, ça c'est clair. La feuille de patate. C'est lui qui a poussé là. Ah. Où? Voilà là. Ah, on est venu. C'est lui qui a poussé comme ça. Et puis, et on dirait qu'il n'a pas de programme aujourd'hui. Il faut bien préparer pour nous. Hein. D'accord. Et qu'il a poussé, on dit qu'il n'a rien à faire. Il n'a même pas de programme aujourd'hui. Voilà. Elle est voyagée. Mon amour. Qu'est-ce qu'il a comme ça? Il n'est pas dit que là, il a une maladie. C'est lui. Dis donc. Bonne suite, hein? Oui. Donc ça, c'est bien de commencer. Non, ça me fait mal. Mon bras, et puis ça, c'est un fouleau comme ça, là. Vraiment. Dis donc. Ça, tu as mis ça à quand est-ce? Avant-hier, là. Là où il est. Donc si tu as très mal fait, il fallait nous informer à temps. Voilà. Ah, on peut passer si tu es salué. Mola. Ah non. Mola. Oui. Si. Comme c'est mon tour aujourd'hui, il va refuser. Ah dis donc, toi, c'est pas ça toi. Mola. Après tout, c'est la santé. Non, non, ça va. Regarde ça même pas. Regarde. Regardez comment il est. D'accord. Ah, mais dis donc. Avant tout, c'est la santé. En tout cas. Il a mal, ma chérie. Si lui n'est pas malade. Ah, Dieu, arrête de blaguer, toi aussi. La moindre que moi, je vois, c'est lui. Tu me dis que. Je suis sa femme. Il n'est pas malade. Il se sent très bien. Il ne veut pas travailler. C'est pour cela qu'il s'est poussé comme ça. Il m'a dit, quand vous venez, je vous dis. Il est malade. Ça, tu fais comme ça, vas-y. J'ai tout compris. Il faut pas dire mon nom. Je ne veux pas dire ton nom. Vas-y, vas-y. C'est lui. Plus il est pas mal. Il a gagné plus que le moi-même. Lève-toi. J'ai tout compris. Attendez. Lève-toi. Je ne vais pas. Tu vas partir. 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 Tu vas
Au sujet des élèves, parce que j'ai remarqué qu'il y a un abandon, les élèves ont abandonné l'école, tu comprends, et ça c'est ta faute, toi qui es directement avec les enfants, tu dois les conseiller, tu dois les motiver, mais tu fais pas ça. Et si les enfants ne viennent pas à l'école, s'il n'y a personne à l'école, quelle est la raison de ton existence ici? Rien. Zéro, nous sommes là parce que les enfants sont là. S'ils ne sont pas là, mais pourquoi? Bon. Merci, monsieur le directeur. Oui. Mais, monsieur le directeur, moi aussi, je suis un peu mal à l'aise pour des raisons multiples. Et les élèves, depuis un certain temps, ont abandonné à cause des travaux champêtres. J'avais un élève en classe, un élève très balèze, qui était très fort en classe. Oui. Lui, il est sorti, depuis qu'il est sorti, il est parti avec un bon nombre d'élèves. Parce qu'il était fort. Les élèves ont vu ça. Il se posait la question. Lui, il était très fort. Il est sorti à l'école. Et nous, quant à nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Donc cela m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup... J'avais mon pensée, oui. Et surtout, oui. À cet égard. Et tu as mis ta responsabilité de côté? Non. Bon, j'avais l'idée d'aller chez les parents d'élèves, voir pourquoi cela. Essayer de les sensibiliser, afin que les enfants puissent reprendre les cours. Bien. Parce que... La question qui se pose, oui. C'est les parents qui ont imposé aux enfants d'aller aux travaux champêtres et abandonner les études. Bien sûr, aller au champ c'est bon, mais aller à l'école c'est le meilleur. Pour trouver une nouvelle méthodologie, un enseignant, face à un problème, trouve une autre méthodologie. Laquelle, comme tu l'as si bien dit. Tu essayes de faire appel aux parents. Je crois que tous les parents d'élèves ont quand même un bureau, ont un responsable, qu'on appelle le président de l'association des parents d'élèves. Effectivement. Tu fais appel aux parents, au président. Le président convoque tous les parents d'élèves. Tu procèdes à une large sensibilisation, une large motivation, en indiquant les avantages pour un enfant d'étudier. Mais je crois qu'une fois ces deux dans la balance, les parents vont choisir le chemin de l'école. Et c'est eux qui vont prendre les enfants au champ pour les amener dans la classe. Pas de problème, tu as tes élèves, tu continues ton travail. Hein? D'accord. Bien. Donc c'était ça, je te remercie beaucoup. Alors il faut procéder comme je l'ai dit. Merci. Hein? Merci. Je t'encourage. Je prends compte. Ok, merci beaucoup. Je compte sur toi. Hein. Inch'Allah. Bien. Inch'Allah. Parce qu'il faut faire l'avenir des enfants. Non, c'est normal. Okay. C'est normal. Sinon, demain, ils vont nous condamner. Effectivement. Voilà. Alors, bien, bon. Merci. Bonne journée. Oui, merci. Merci. C'est gentil.
Voilà. Maintenant, je crois que s'il fait ça, nous aurons nos enfants, ils vont étudier. Et on va prendre le... C'est le mois de carême qui nous fatigue à l'aide. Voilà. C'est vous. Ouais. Et votre repas. Ça va? Mmh. Ah. Mais le repas est là. Ouais. Le repas est là. Il y a l'eau sale ici. Bon frère. Ouais. Et non, non. Ça c'est l'eau à boire ça. Ah bon. Voilà. Essayez de prendre ça. Ouais. Moi je vais au centre. Ok. Ah. Ah ouais. À ce soir. Ah ouais. Ah. Voilà. Allez, Alhamdoulilah Rabbi Alamin. Aujourd'hui, alors, on a fait des choses. J'ai pris le diable là aujourd'hui, au nom de Dieu. Tu parles ou bien tu ne parles pas? C'est qui? Quand c'est le sort seulement, c'est le diable là qui rentre ici. Là, il a arrêté le monde de tout. On a même bagarré là-bas aujourd'hui. Ce qu'il y a, essaie de préparer le repas de mon frère. Pour le soir, tu le ramènes. Hein? Tu le ramènes. Je ne vais plus là-bas. Toi, tu ne peux pas envoyer ça aujourd'hui. Non, je suis dans les sacs. Comment tu peux partir là? Il ne faut pas crier sur moi. Je te demande. Et si je crie? Et si je crie? Je te demande. C'est ça que je demande maintenant. Et si je crie? Pardon, pardon. Hein? Pardon, pardon. C'est ça que je prépare à me prendre. Pardon, pardon. Hein? D'accord, d'accord, d'accord. Comme tu as l'habitude de l'envoyer, c'est pour cela que je t'ai. Ne me dis pas. Pardon. Ne me dis plus ça maintenant. Pardon, hein? Pardon. Si. Il va mourir là-bas maintenant. Voilà, il va tellement, mon frère va mourir là-bas maintenant. Si c'est moi qui amène le. Si c'est moi qui dois amener le repas de mon frère, il va mourir là-bas, Inch'Allah. C'est nous. Tu répètes ça maintenant, il y a remarquement là. Congo. Ah ah. Il est là-bas ou bien il est parti au champ? Il est à la maison, qu'il est fatigué aujourd'hui, qu'il ne peut pas envoyer votre lit. C'est lui comme ça, lui? Bah, c'est lui. Ah, ok. Ah, voilà, merci. Non, problème de la maintenance, ça va?
même pas manger beaucoup. Je vais garder le reste ici. Mais tu transpires. Je viens de la toilette comme ça. Bergère. Tu sais que quand ton frère n'est pas là, c'est moi qui l'ai. Il faut faire doucement, hein? Il y a les autres. Ah bon. L'autre fois, là, le riz était bien. C'est bon. La sauce. C'est bon, la sauce aussi, c'est bon. Bientôt le mois de carême va finir. Il reste maintenant 7 jours. Il reste 7 jours. Tu vois, aujourd'hui, j'ai bien mangé aujourd'hui. Tu as bien mangé? Où est la couverture là? La couverture, c'est avec moi. Ah, voilà. Je vais couvrir ça pour toi aussi. Alors, bon, oui. Moi je vais partir. Les enfants sont à l'école, c'est ton jeune frère seulement qui est là. D'accord, merci. Hein? Merci bien. Bonne journée. Ok. Maintenant, tu vois, je suis bien rassasié. Je mangeais avec un imbécile ici. C'est lui qui vient chaque fois qu'il m'empêche. Comment? Ce qui s'est passé avant-hier. Aujourd'hui, maintenant, ça ne va plus maintenant se reprendre. Inch'Allah. Écoutez, non, attends d'abord. Tu
tu vois tout ce champ là. Oui. On a fait tout ça là aujourd'hui. Depuis quand lui nous a quitté. Allez, les quatre pieds à l'air. Alors, allons. Il est parti. Je le chef. Laisse-moi. Attends, il va partir aujourd'hui. Allons, je le chef. Salut. Oui. Mon frère, salut. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Oui. Ça va chez vous? Ça va, oui. Et à quoi de neuf? C'est toujours au sujet de nos enfants. Mm-hmm. On est venu vous voir. Il faut effectivement que vous puissiez prendre l'avenir des enfants au sérieux. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. L'avenir des enfants, c'est quoi? C'est les amener à l'école. C'est les encourager à étudier. Donc nous venons vers vous. Il faut que les parents d'élèves et les maîtres puissent conjuguer les mêmes efforts pour l'avenir des enfants de demain. Donc c'est pour ça qu'on vient te voir. Ah ouais. Mais moi, ce que je vais vous dire, oui. Le village est nombreux. Mais chez moi, mon enfant, au champ. Au champ. Moi, ce n'est pas l'école qui me nourrit. Moi, je n'ai pas parti à l'école. Ma maman n'est pas partie à l'école. Mon père n'est pas parti à l'école. Mais nous sommes nourris. On fait tout. Allez, bonjour. Allez, Tu vas partir. Pourquoi tu me vois comme ça? Pourquoi tu me vois comme ça? Tu vas partir, non? Je dis pourquoi tu me vois. Attendez. Il a bien fait. Attendez. Laissez-moi. Pourquoi tu me vois comme ça? Il a bien fait. Attends, ça va. Tu me vois comme ça, pourquoi? Non, alors. Il a coulé. Attendez. Non, c'est maintenant. Ne dis pas que tu me connais pas. C'est le chef. Je ne veux pas. C'est le chef. Attrapez-lui, très bien. Dépêchez-vous, il est fort. Voilà, ça c'est très bien, ça. Ah, c'est bien. Attends. Ça va comme ça. Allons-y, c'est le chef. Voilà ce que vous allez dire. Vous êtes venu pourquoi? Dites-moi ça vite, moi je vais partir. Moi c'est le chat qui m'attend comme ça. Dis ça vite. Faut pas. On est venu te voir pour que tu puisses libérer tes enfants ou ton enfant s'il y a un pour l'école. M'va-t'en, école. La ilaha illallah. Wallahi billahi. Je jure. Si c'est pas. Allez-y. Attends. Non, allez-y. Non, écoute. Allez-y, faut pas qu'on fasse l'histoire ici. Écoute-moi. Écoute. Allez-y. Écoute. Hey, allez-y. Écoute-moi. Écoute-moi. Je laisse pas. Attends. Je laisse pas, Fatoma, l'école. Laisse-moi te parler. Le jour que tu vas tomber malade, tu vas à l'hôpital. On te donne l'ordonnance, tu vas payer un produit à la pharmacie. Qui va lire pour te dire que c'est ça que tu moi, je fais 50 ans. Moi, 50 ans. Oui. Uh-huh. Tu fais pas quoi? Moi, je fais 50 ans. Maintenant, quand tu donnes un médicament à l'hôpital... C'est pas le médicament à l'hôpital. Hein, mon frère, allez-y. Partez. Merci beaucoup. Voilà, partez. Au revoir. Moufatoma ne va pas rien. Si vous êtes venu voir Moufatoma, le champ qui laboure pour moi. Oui. Si vous connaissez ça, oui. Wallah billah, vous n'allez pas parler. Merci. Allez-y. Merci mon frère. C'est-à-dire... Mais qu'est-ce qu'elle les a lavé pour moi? Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Mon mari n'est pas passé ici. Mari qui? Selou. Ah, Selou? Oui. Non, j'ai pas vu Selou. Mais j'ai appris qu'ils ont fait du bagarre au champ. Frère? Oui? Je viendrai me plaindre chez toi ici.
Maintenant, quel plaisir. L'autre jour là, j'étais parti, mais c'était pas grave. Ah ouais. Ça va? Mm-hmm. Bon, maître, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Ah bon? Il y a une lettre qui est venue de notre village. Ah bon? Ah ouais, je l'ai amené pour que vous lisez ça pour moi. Et vous me direz. C'est ça. Ça va? Ah, c'est bien, monsieur. Comme nous sommes dans votre village. Oui. C'est la lettre. Je ne sais pas. Peut-être c'est mon frère. C'est la lettre. Je ne sais pas. Peut-être c'est mon frère qui a envoyé ça. Ah oui. J'avais un frère là-bas. Oui. Oui. J'aimerais que vous passiez la lettre à votre fils qui se trouve en chambre. Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur? Bon, surtout que moi, j'ai pas beaucoup compris la lettre. Peut-être votre fils qui se trouve en chambre pourra mieux comprendre que moi. Si vous plaît. Écoutez. Vous avez vu la lettre? Mais vous avez vu la lettre? Vous avez lu la lettre? Effectivement. Mais dire ce qui est là, il faut me dire ça. Ce qui est là, il faut me dire. Pourquoi dire aller au champ voir mon enfant? Ce qui est là, il faut me dire ça. Non. Tu peux pas faire ça. Tu lis ma lettre et puis tu me donnes encore. Tu dis va au champ pour ton enfant. Non. C'est parce que vous avez un enfant. L'enfant que vous avez refusé d'étudier aujourd'hui. Vous êtes venu me voir pour lire une lettre. Hein? Vraiment. Qu'est-ce que tu as vu ici? Moi, c'est tout. Qu'est-ce que tu as vu ici? Moi aussi, c'est que je vais donner la lettre à votre fils qui se trouve au champ. Il va essayer de lire pour vous, s'il vous plaît. Mon frère, faut pas qu'on fasse l'histoire. L'histoire chez moi? Non, parce que tu as lu ma lettre, tu veux pas me dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as lu ma lettre, tu ne veux pas me dire. Il faut me dire ce qui est là, le contenu. Alors, je vous présente mes condoléances. Quoi? Je vous présente mes condoléances. Condoléances ici? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas votre père qui se trouve en ville. Au village, voilà, chez nous. Ah, il faut me dire, il faut pas. Non, il faut pas que j'aie peur. Il faut me dire, c'est mon père qui est mort ou bien quoi? Ah, c'est le vieux qui se trouve en ville. Mon père? Ah là. Dis-moi, si c'est mon père, ou bien si c'est alors, quoi? Il est décédé. Mon père? Votre père est décédé. C'est pourquoi tu voulais pas venir. C'est pourquoi tu veux. C'est
C'est pas parce que je voulais pas, s'il vous plaît. Eh, hey, s'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne pleurez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne pleurez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donne-moi la lettre. S'il vous plaît. C'est ce que je veux. Et pourquoi tu voulais pas me dire? Mais ce que je veux, s'il vous plaît. Ouais, il faut parler. Ne pleurez pas, c'est pas le moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, regardez ça. Vous avez perdu votre papa. Ouais. Aujourd'hui, vous étiez comme votre fils. Ouais. Un jour, il sera comme vous. Il sera responsable d'une famille un jour. Mais si aujourd'hui il abandonne les études à cause des travaux champêtres, comment il sera un jour? Il sera responsable, comme vous. C'est votre fils aîné. C'est lui qui va soutenir les choses quand vous n'êtes pas. Alors, je vous prie, monsieur, envoyez votre fils à l'école. Vous n'allez pas regretter. Car la formation, c'est la formation qui est la meilleure. Aller au champ, c'est bon. Mais aller à l'école, avoir la formation, c'est meilleur. Merci. Pardon, bon. Vous savez, non, je vous écoute, je vous écoute. Ça fait dans la ville, si tu n'as pas un enfant qui a étudié, ou un enfant qui a étudié, c'est parce que ce sera son bon. Bonjour, papa. Hé, hé, moi, Thomas. Viens là. Viens. Mais comment tu arrives comme ça? Où tu vas? Je vais à l'école. Quoi? J'ai dit je vais à l'école. À l'école? Ton sac là, à la maison. Toi et moi, on va à la même école. Papa, où ça? Où ton grand-père m'a mis? Le champ. Au champ. Au champ. Papa, il est bientôt la composition. Laisse-moi aller. Hey. Tu dépasses là-bas, je te gifle. Je vais à la maison. Ah. C'est que le maître a dit ça. Ça, c'est vrai de... Si c'est mon enfant qui avait étudié, c'est lui qui allait lire la lettre là. Mais Inch'Allah, à mon retour, je le ferai retourner à l'école. Ce que sa mère a dit, c'est vrai. Mais Inch'Allah, à mon retour, je le ferai retourner à l'école.